À Dimbokoro, le rhinocéros continue de faire des dégâts. Les populations de Frondobo, village de la commune de Tiemelekoro, à 170 km d'Abidjan, ne savent plus quoi faire. Le seul rhinocéros encore dans la nature, cet animal qui était jusqu'en 2002 au parc animalier Tabokwamekro, continue de créer des dégâts. En début de ce mois de février 2017, il s'en est pris aux récoltes des populations du village où il a trouvé refuge et a détruit les cultures de substances comme les ignames, le manioc, les bananes et les cultures pérennes comme les veillards. Pour nous imprégner de la situation, notre équipe s'est rendue à Frondobo, dans le champ de l'une des victimes, pour en savoir davantage. Depuis un certain temps, le rhinocéros vit dans mon champ de bananiers et crée beaucoup de dégâts. Il a détruit plusieurs pieds de bananiers. Il fait même le tour de la plantation. Près de 80 pieds même détruits. On a ici, là-bas, même dans le grand champ même de Véa, on en trouve. Vraiment, j'ai alerté le sous-préfet, les autorités administratives politiques de la sous-préfecture, même de la région. Jusque-là, il n'y a pas gain de cause. Le rhinocéros qui a même tué le chef du village depuis le 4 août 2016. C'est le même qui sévit encore dans nos plantations. Bon, ça c'est la question qu'on se pose. Même la dernière fois, quand j'ai alerté pour la première fois son passage dans mon champ, j'ai alerté le sous-préfet, m'a dit, hey, Yako, c'est le message qu'il m'a envoyé et je le dis, tiens encore, Yako, et que les autorités m'ont dit qu'ils sont prêts, ils ont tous les éléments qu'ils vont le faire partir, mais on ne sait pas quand. C'est la question de pourquoi depuis là,
le rhinocéros qui est encore dans notre zone. Après avoir tué le chef, maintenant c'est les plantations qui vivent dans la forêt. Et ça, c'est encore plus dangereux. Allez, étant au village, c'est vraiment un peu, nous sommes un peu en sécurité. Mais en bourse, il devient encore plus dangereux. Et les ignames, on dit qu'ils mangent aussi les ignames. Oui, mais ici, comme je ne produis pas de l'igname, sincèrement, je ne peux pas témoigner ou bien affirmer qu'ils mangent l'igname. Qu'est-ce que vous demandez au président de la République s'il suivait cette vidéo? Nous, on demande au président, en tout cas simplement, si on peut le faire partie, vraiment, ce serait la bonne solution pour la population de Fornebo-Tibibo. Les gens disent qu'une bête, pourquoi vous ne la tuez pas? Ah, mais ils sont venus à plusieurs reprises. Ce qu'ils nous demandent, c'est de ne pas faire du mal à l'animal, c'est de le protéger. Pendant qu'ils nous détruisent, ils détruisent nos biens, mais on nous demande de le protéger. Jusque là, même personne n'est de malgré qu'il a tué le chef, mais ils sont là, personne ne fait face. Le Fornebo Tibibo est dans la structure de Témlekuru, dans la commune. Région. Dans la région du Moroni. Rappelons que le 4 août 2016, le rhinocéros avait tué le chef Nana Kwame Nzi de ce même village. Les ministres André Dakori Tablé et Mareto Kone, lors du passage, avaient promis l'enlèvement de la bête avant l'année 2017. Thank you.